Alléluia. Madame, qui va répondre, Dieu fait pour vous. Alléluia. Il faut sanctifier. Madame, qui va répondre, Dieu fait pour vous. Si vous comparez tête à Saint-Elle. Parce que Saint-Elle, c'est vrai, bon Dieu, mais au même moment, histoire. Bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue sur Cause Peuple. Comment nous y est? M'espérez nous tous en forme. M'pote yon 6e vidéo pour nous. Côté frère José Pierre a prêché dans l'église nazaréen de Gonaïve. Prends son, prends temps pour capable tendre et garder vidéo aussi là. Frère José fâché. Nous prenons saisir, tendre et garder pour qui ça frère fâché. En tout cas, m'bagui trop commenter ma fait. M'a juste invité nous en al tendre et garder ensemble avec moi. Frère José Pierre qui t'a plagué parole bon Dieu à terre. Mais juste avant, pas oublier, abonner, commenter, partager, et puis comme ça, on va permettre un channel Cause Peuple pour ce pour plus devant. Bien entendu, frère José qui t'a plagué parole, bon Dieu, à terre. Que semaine ça, sujet qui tire notre thème, c'est la vision de Dieu de la sanctification. La vision de Dieu de la sainteté. La sanctification, c'est un sujet et qui fait en pile actualité dans les églises locales. Donc, il y a un pile chrétien qui familiarise yo avec la sanctification parce que chaque monde qui est ici présent à Soya, il est difficile pour pas avoir une idée de la sanctification. Mais malgré que l'église tend des sujets ça en pile qui c'est la sanctification, il y a un pile monde qui mal comprend le mot sanctification. Nous voir ça puis devant, il y a un pile fausse conception que les hommes gagnent avec la sanctification. Donc, d'aller dit nous ça, Jean nous ouais sanctification, c'est pas comme ça bon Dieu ouais sanctification. Ben moi bon. Moi dis Jean l'église ou bien bon mettre les hommes, Jean les hommes ouais la sanctification, c'est pas comme ça bon Dieu ouais la sanctification, la vision de Dieu de la sanctification. Donc pour qui raison Jean nous-mêmes nous ouais sanctification, c'est pas comme ça bon Dieu ouais. Parce que il y a un texte à travers la Bible, un verset Ésaïe 55 verset 8. Et la Bible nous dit que car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, le verset 8. Donc pensez-nous, pas pensez bon Dieu. Voix que nous prenons, route que nous prenons, c'est par lui-même que bon Dieu prend. C'est ça qui fait que Jean nous ouais sanctification dans les yeux par nous. C'est pas comme ça bon Dieu ouais dans les yeux par lui-même. Et pour yon moun ta arrive konnen ki sa sanctification yé, faut le ta gagner yon révélation personnelle de la sainteté de Dieu qui pour le faire gagner une idée claire de la sanctification. Et ça fait assoyan nous ta remé ouais avec vous quelques conceptions que les hommes gagnent et qui j'en bon Dieu ouais la sanctification. Deuxièmement, nous ta remé ouais comment bon Dieu li sanctifié peuple li k'ap servi. Deux bagages n'a pour assoya seulement. Premièrement, différentes idées, différentes conceptions que l'homme gagne vis-à-vis de la sanctification et comment bon Dieu lui-même lui sanctifie peuple cap ses villes. Premièrement, on va regarder que sanctification, si m'a parlé de lui là, ou après grand pile monde qui comprend ni en façon différente parce qu'elle suscitait un pile débat. Et ça fait l'église a plusieurs sujets qui suscitent débat. Par exemple, la sanctification, c'est un mot qui suscite débat. Si je prends le mariage aussi, c'est un mot qui suscite un pile débat. Donc, il y a des gens, attendez, oui, il y a des gens qui comprennent que sanctification sont théorie. Qui ça me dit l'église? Je dis qu'il y a des gens qui comprennent sanctification, c'est qui ça? En théorie. Ça veut dire même sous elle a crasé chez elle. Parler de sainteté, parler de sanctification, c'est sous chez elle sanctifié. Quand elle descend chez elle, bon, elle va sanctifier encore. Parce que toute soit elle t'a dit, toute belle français, toute belle marronnée, toute belle logique. Ok?
tout mot grec, adios, maroné, tout mot hébreu, hein, kadosh, tout ça, c'est théorie. Mais automatiquement, le descend, cher, il dit sanctification, babay. Et moi, songe, mon professeur en théologie, il te dit que les bons prédicateurs qui ont prêché la sainteté, lui-même, n'a vivent dans des autres. Li tankou son professeur qui finit écrire un bagage sur son tableau et puis mais qui écrit là gon l'autre mais qui kembe bo ça cap suyer. Ça veut dire finit écrire un bagage et puis main droite là écrit main gauche là qui bon chiffon cap suyer ça le fin dire sans élève yo qui ta dans classe là pas prendre note ça le fin écrire. C'est bagage qui règle. Donc il y a des monde qui prend sanctification pour une théorie et ça fait qu'il y a des monde là où dit qu'il soit comprendre de sanctification, il y a monde qui quand même baou quels sont les types de sanctification. Il y a monde qui dit il y a la sanctification positionnelle, la sanctification progressive, la sanctification parfaite ou bien totale. Mais en vérité, qui t'aime tout ça à soya? Bon Dieu, c'est pas théorie le besoin, non, c'est pratique le besoin. Bon dit l'église là ça encore. Bon Dieu, bouquet à théorie. Bon Dieu, mais ceux qui sont à l'église, pratique. Ou même à travers la Bible, Jean, dans l'épître que le bras l'écrit, il dit, mes petits enfants, si ce pas nous remet seulement avec bouche, avec langue, mais c'est pour nous remet en pas regarder avec action et avec vérité. Donc, pas rien à faire de théorie de la sanctification qui soit connue et pour commencer à blaguer par la terre. Et par ça, mon Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de la pratique. Ça, ou dit qui sont faits. Soit enseignés qui sont vivants. Donc, il y a des gens qui prennent la sanctification comme une théorie. Deuxièmement, il y a des gens qui connaissent que les gens cherchent la sanctification dans la religion. Mon bagage est chargé encore. Ou des moun pour qu'on le sanctifier, c'est nos monastères pour l'entrée. Monastère c'est côté des moines et puis moines yo, les entrent dans monastère, elle fait un laps de temps et puis elle sortit dans monastère, elle dit que les saints. Gen des moun sainteté son religion. Li met en tête les religion là dans qu'a fait saint. Tout ça l'a fait dans la religion, li ka fait vivre dans la sainteté. Et ça fait donc pile monde qui confond la sanctification avec la morale. La morale, c'est la morale. La sanctification, c'est la sanctification. Est-ce que l'église est là? Donc, mes amis, Nan me dit ça. Pas bon espace sous la terre, yon moun ka entré pour le vincer. C'est l'espace où moun ka entré pour le croiser avec une personnalité qui c'est Jésus-Christ, c'est l'église de Jésus-Christ. Donc c'est l'église où mon cas entré. Et là l'entrée de l'église, c'est pas l'église qui a changé, mais c'est Jésus-Christ qui a changé. Et me dit ça avec gauche, me déployé. Pas dans un yé sous la terre qui a purifié l'homme que le sang de Jésus. Mais en vérité, où est l'homme? L'homme fait toutes sortes de kawash pour laver tout type de machine. Si machine n'a passé dans la boue, il y a un carouage pour lui. Si machine n'a pas de poussière, il y a un carouage pour lui. Mais est-ce que nous bagaille? L'homme n'a pas de carouage sur la terre qui a lavé l'homme. C'est le carouage qui a lavé l'homme, c'est le sang de Jésus. Acclamez sang Jésus contre Chita. Alléluia. Le sang de Jésus seulement qui a capacité à frapper mon pour Jésus pour ça. C'est le sang de Jésus. Est-ce que l'église a été crier le sang de Jésus? Crier Satan pour son soldat, le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui a une capacité pour blanchir l'homme. Et même l'auteur qui dit ça capable de laver péché, aïe, ça capable de guérir tout cœur, aïe, par ce sang, Jésus-Christ. Et puis le consigne le dit sang qui chère. Passer l'or qui ou est qui côté dans la mort. Aïe! L'or sous son corps. Passer sang, Jésus-Christ. Donc, le monastère, yon lieu maladan ne pas qu'à faire me sanctifier. La terre, le seul bagage qui a fait me sanctifier, c'est Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui a purifié l'homme de tout péché. Gete moun tout, sanctification pour lui, c'est pour te belle rap. Les mettons rap tout de blanc là, et puis tout le monde ou tout de blanc. Et puis, elles sont saintes. Moi-même, j'ai un problème pour ça. J'ai un petit problème pour ça.
J'espère que nous comprenons moins. Comment comprendre chaque Sainte-Seine qui va le faire dans l'église? Avant jour à fête, ou bien avant jour Sainte-Seine, ou bien dans jour Sainte-Seine, ils ont exigé mon yo pour mettre rat blanc. Quand la question m'a posé, est-ce que rat blanc les mettait la cellule pour le faire saint? Et donc, tout le monde doit mettre en tête, rat blanc, yo mette pour y aller pour Sainte-Seine. C'est lui qui fait bon Dieu, ouais, bien. C'est lui même qui fait au saint. C'est lui même. Pas de problème pour rat blanc. Mais mentalité, les gens ne peuvent pas faire Sainte-Seine. C'est rat blanc le mette. La lui mettre en tête, lui, le mettre rat blanc. Bon Dieu, garde le saint. Yon rat pas qu'à sanctifier un monde. Yon rat pas qu'à sanctifier un monde. Ou qui doit venir faire Sainte-Seine tout de noir. Et puis en tête, un cœur blanc par ses cotons. Alléluia. Ou qu'il doit finir là tout est rouge. Et puis pendant vite tout est rouge là. Et puis regardez, péché qui est dans la veille, dans le sang de l'agneau, ou blanc en dedans. Et en vérité, l'église doit avoir une réforme qui vous fait là-dedans. C'est pas le blanc qui est avant tout, c'est la sanctification qui est avant tout. Sanctification est primordiale. Et bien, bah, tout est blanc, font gens là. Et ça fait qu'on va pas gagner dans ce secte religion entre. On va pas gagner des mounes. Ils respectent ton monde parce que l'habit est bien. Parce que moun ça là, rat li mette là, c'est chapeau bas. Son vénérable, son ceci, son cela, son honorable. Moun ça, selon rat li gagne. Pour lui même, pour moun nan, li pense que rat moun nan mette là, tout moun va le reçu. C'est lui qui fait moun nan sanctifié. Gede moun tout se pa ni rat qui fait sanctifier. Li met nan tête li, tande oui. Son manger pour le manger ou bien pour le pas manger qui vous fait sanctifier. Ça m'a fait personnalité. Ou pa gen de l'église, yo passe commandement ça même. Puis moun pa gen doit manger viande ceci. Ba si t'es non bête là. Ba non c'est papa. Yo dit ou pa gen droit manger viande ceci, viande cela. Ça ou qu'on nous connaît. Mais bon, bagay oublié, dans l'ancienne alliance, c'est normal parce que bon Dieu t'a dit à travers l'ancienne alliance que pas de monde qui doit manger bête ça, parce que bête ça était interdit pour Israël de manger. Maintenant, là, on fait un coup de pied dans le Nouveau Testament. Ou après Pierre, après, il fait une vision. Pendant Pierre, sous Kaila, la prière. Pendant Pierre a prié, et puis qui s'alloue, lui ouè son drap qui descend, et puis drap descend non, lui qui a toute qualité bête là-dedans, lui qui a bête qui pure, lui qui a bête qui impure, et puis la voix de Dieu dit Pierre, touye et puis manger. Pierre dit, maître, depuis là, je suis ici, je mange vieille bête sur mon là. Et puis bon Dieu dit, frère, c'est où, moi qui dis ça, touye et puis, dans l'église, non, touye et puis. Même si la médecine parlait de ça, ok, il est très bon pour la santé. Donc, on monde qui a fait santé, il a choisi pas manger, il n'a pas empêché. Mais, ou pas qu'à exiger de manger. Et là, il fait la loi, ça va le mettre là-dedans. Non, militant, ou qu'à mettre n'importe quel viol, mais la loi. Non. Bah, si t'es non, mettre là, non. Bah, si t'es non, on allait. Donc, il y a des gens qui pensent que l'on ne peut pas manger telle bête, ça fait le sanctifier. Ça fait le pas pécher pour ça. À travers le Nouveau Testament, ça n'est pas possible. Et regardez bien pour être, drap blanc descend, il y a toute qualité bête là-dedans. Qui ça me dit encore? Il y a des gens même pour le sanctifier, les mettre en tête, c'est l'on va en pile comme. C'est comme là qui fait le sanctifier. C'est l'aile de monde, l'aile va en pile monde l'argent, en pile manger, c'est ça qui a fait le sanctifier pour ça. L'argent yon moun kabay, pas qu'a fait le sanctifier pour ça. Mais bien aimé, si bon Dieu t'a demandé qu'il y a des gens qui l'a, si bon Dieu t'a demandé l'argent, pas qu'il y a une personne qui l'a, qui t'a sanctifié. Peut-être c'est moun qui a un gros compte en banque, c'est yon qui t'a sanctifié. Mais gloire à Dieu, bon Dieu m'a demandé de rien. En vérité, à la croix, Jésus dit tout est accompli. Et quand t'aime grand-père là, je suis sanctifié par le sang de l'agneau. L'église qu'on a frappé mon bouson ça, qui sanctifié. Et par la jambe pour là. Et par amen. Et par l'or pour là. Mais c'est le sang.
Donc c'est ça qui fait l'église. Là on peut étudier l'histoire de l'église. Quatrième phase dans l'histoire de l'église, il parle de l'église impérialiste. L'église impérialiste, qui s'est gagné là-dedans? T'es bon monsieur campé, il chita sur une chaise et puis il dit tout le monde qui voulait sanctifier. Tout le monde qui voulait gagner salut, tout le monde qui voulait sauver, mais qui ça pour faire? Quand t'es chita en l'air escalier, ou à monter sous genou. L'arrivée devant moi mettre à genou. Et vous comme pour déposer. Si vous ne pas déposer comme ça, vous pas sauver. Vous voyez qui j'ai l'homme fragile? Ils ont salué mon Dieu gratis. Et puis il dit, mon Dieu, c'est à genoux. Et vous avez sa pitchon, ils ont crasé mon son bouteille. Ils ont la gueule dans l'escalier. Ça veut dire les gens marché. Les gens pas marché, non. Les gens monté l'escalier sous genou. Genou la baigné ensemble. Pour le sauver. Pour le sanctifier. Et puis c'est alors. Martin Luther, il parle prêcher la foi. Pendant Martin Luther, à genoux, il a marché les escaliers, il a gravi les escaliers. Et puis, regardez, la foi de Dieu dit Martin Luther, le juste vivra par la foi. Et puis, dit Martin Luther, levé à terre. Parce que c'est pas bagaille qu'on a fait qu'il faut sanctifier. Et pas bagaille qu'on a fait qu'il faut sauver. Mais il est entré dans Ephésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Il dit Martin Luther, le salut, c'est pas la foi. C'est pas ça qu'on a fait qu'on a sauvé. C'est pas ça qu'on a fait qu'on a sanctifié. Et je vous dis, vous me dites ça. Vous te mettez construit fin l'église sous bon Dieu. De vous pas sanctifier. C'est vrai, bon Dieu a béni ou, mais récompense a perdu. Parce qu'il y a une différence entre la bénédiction et la récompense. Qui ça me dit dans l'église? Nous disons une différence entre la bénédiction et la. Qui est la bénédiction? Tout ça, on fait pour mon Dieu. De vous faire la tout cœur, mon Dieu a béni. Et bénédiction, ou te mettre ton bon corps. Ou te mettre ton franc-maçon. De vous faire un bagage pour mon Dieu à tout cœur, mon Dieu a tout dans le lit. Parce que l'on a dépensé pour travailler. Mais attention, la récompense n'est pas sous la terre, c'est dans l'éternité liée. Et ça fait qu'on pile n'est qu'à construire. C'est vrai, son bien, ils ont fait. Mais bon Dieu a béni. Mais cependant, il a raté la récompense. Là. Et me déclarer sur l'église, c'est pour travailler pour récompense au nom de Jésus. C'est pour tout ça fait pour mon Dieu. C'est pour l'arriver en l'air. C'est pour mon Dieu tout bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle servant au nom de Jésus. Mes chers amis, la sanctification, ce n'est pas un effort lié. Mais c'est une grâce. Maintenant, comment bon Dieu lui-même lui sanctifie peuple lui? Premièrement, nous sommes sanctifiés en Dieu le Père. Nous sommes sanctifiés en Dieu le Père. Je vais mettre le texte avec vous. C'est dans Jude, chapitre 1er. Ou après ça, côté que lorsque Jude a commencé l'épître là, dans le premier chapitre là, ou après qu'elle dit, il tendait bien oui, ou après elle dit, et bon Dieu sanctifie nous en Dieu le Père. Donc nous sommes, les chrétiens sont sanctifiés en Dieu le Père. Deuxièmement, nous sommes sanctifiés par la foi. Nous sommes sanctifiés par la foi. Nous appelons ensemble dans Acte 26. Acte 26, nous appelons verset 18. Acte des apôtres, chapitre 26. Et nous allons considérer, hein, ensemble avec vous, verset 18. Acte 26. Acte 26, verset 1, 18. Nous avons commencé depuis le verset 17 pour comprendre le contexte là. Acte 26, verset 17, verset 18. Il dit, je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux et pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bon Dieu bénit l'Église. Donc, nous sommes sanctifiés premièrement en Dieu le Père. Deuxièmement, nous sommes sanctifiés par la foi. Et Romains chapitre 5, verset 1 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons qui ça? La paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la foi les sanctifie nous. La foi nous sanctifie. Donc la foi c'est lui-même qui permet que traverser le royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et qui s'est passé? Les hommes nous repentis, les hommes nous recevoir Jésus dans la ville. Qui ça bon Dieu fait? Lui retirer dans le royaume des ténèbres et puis le planter dans le royaume de la lumière. Et ça fait un problème avec les chrétiens qui chantent côté Marie à démarrer. Même bien problème ça. Et m'ta aimé un monde qui avance parce que moi expliquer comment que c'est qu'a fait marrer. Et gien gien qui tellement haro yo même yo dit si c'est dans pas jour demain, si c'est dans souffrir demain, côté mieux démarrer. Monsieur. Nous on j'aime nos veilles de nuit, c'est chanter ça. Adorateur apprend pour chanter. Automatiquement dit côté m'a démarrer, m'te sous chair, m'descendre, m'allonger comme son bon dormi juste les jours. Parce que moi, les gens qui chantent, ils ne sont pas en train de chanter. Ils ne chrétien pas chanter côté mari à démarrer. Qui est côté mari à démarrer? Ils ne sont pas en Bible dit dans Colossiens. Colossiens dit il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire que quand tu es là, c'est photocopie qui est là, originalement sans les liens. Madame Kotoshita, je viens de dire ça, c'est photocopie qui est là. Originalité aussi, en les liens. On te a dit le monde, c'est pas la caille, moi. Non, c'est là, je parle, trésor, moi, à que moi. En haut. En haut. Alléluia. Par contre, quand on est chita là, si on a l'amour planifié, mais au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai. Allez, lance ça. La Bible dit me transporter. Transporter, je veux dire, porter de l'autre côté à l'autre côté. Sortir avec moi un côté, traverser avec moi l'autre côté. Qui côté m'était-ce? M'était dans le royaume des ténèbres. Satan t'a conduit la vie. Il t'a fait me faire salver. Mais automatiquement, je recevoir Jésus dans la vie. Jésus dit, regardez, il faut changer classe. Regardez, chaque monde qui est là qui recevra Jésus, ou sans ou changer classe déjà. Regardez, quand on chita là, si elle l'a transféré, alléluia, dans le royaume du Fils de son amour. Et de courage, elle m'a parlé avec un servant qui l'a. Si vous êtes sous la terre seulement, vous êtes toujours déjà. Si originalité, si racine, vous êtes sous la terre, alléluia. Vous êtes coupé fiel ou déjà. Vous êtes aïe aïe aïe, monsieur. Alléluia. Vous êtes voyant, allez déjà. Que complot qui fait tout par on est, que bagaille qui fait tout par on est, que combinaison qui fait tout par on est, mais en vérité, que bagaille ou fait pour moi par on est, ou sorti loin avec Jésus, que bagaille en maître, que secueil, ou crase, par on est. Alléluia. Chers amis, si la vie ou t'es sous la terre seulement, et ça fait moi-même Colossiens 3. Colossiens 3 dit, si donc vous êtes ressuscité, est-ce qu'on va connaître que la vie cachée avec Christ en Dieu? Vous comprenez ce que ça veut dire là? Ça veut dire vim, même si on m'a marché sur la terre, gardez-moi. Si on va manger, je vais couper mon Dieu. Parce que la vie cachée dans qui est-ce? La vie cachée dans qui est-ce? Quand il y a la Jésus, elle est rock solide. Qu'on a le texte là dit la vie me cachée dans Jésus. Donc la vie, frère Josué, les cachée en tant roc solide là. Qu'on a qui m'a toqué sur la terre qui a frappé roc là. Qui m'a toqué sur la terre qui a retiré roc. Quand on caché là, en vérité, mal tout ça. Qui des monde qui là, ou a mouru dans le bon Dieu voulu. Par des pièces mal faites, qui a mené, qui a mené en bas terre. On te a dit la langue pas moins va fine. Parlez. Alléluia. Tout le temps, je ne peux pas finir de parler. Si Marie pas monter, si Marie pas descendre. Parce que je ne peux pas finir de parler. Le ministère ne peut pas finir. Mandat, mon Dieu, je ne peux pas finir. Alléluia. Gon mission pour faire bon Dieu, petit temps. Vous ne pouvez pas mourir. Gon monde qui doit sauver à travers vous-même. Vous ne pouvez pas mourir. Gon message vous devez prêcher. Pour que 5000 monde viennent à la repentance. Ma soeur, mais sous ton nous dans ce que c'est pas vous-même. C'est photocopie qui l'a. Mais l'originalité sans les liens. Alléluia. Nous sommes sanctifiés par la vérité.
Dans Jean 17, verset 17, Jésus-Christ dit, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est lui-même. Nous devons nous appuyer devant nous maintenant. La parole de Dieu a une capacité pour changer que nous, radicalement, totalement. C'est lui qui a transformé nous. En vérité, je dis ça. Que des gens ne peuvent pas la faire, ils ne peuvent jamais changer. Que des gens sanctionnés, ils ne peuvent jamais changer. C'est ça qui a convaincu lui, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ça qui a convaincu lui, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole a une puissance là-dedans. Pas que quelqu'un entre là-dedans, il va changer. Jouer le monde, c'est pas lui qui a fait jouer. Parce que quel homme n'a pas fait jouer. Quel homme tellement dur, jouer le monde n'a pas fait jouer. Jouer le monde trop petit. Donc nous sommes sanctifiés par la vérité. Nous sommes sanctifiés par la vérité. Quatrièmement, nous sommes sanctifiés par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Nous sommes sanctifiés par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Pablo nous a dit comment mon Dieu sanctifie nous. Premièrement, nous sommes sanctifiés en Dieu le Père. Deuxièmement, nous sommes sanctifiés par la foi. Troisièmement, nous sommes sanctifiés par la vérité, bien la parole de Dieu. Quatrièmement, nous sanctifiés par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Nous avons parlé ensemble dans le texte, nous te lis déjà dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Hein? Nous parler dans des textes pour nous capables de terminer avec vous. La Bible nous dit que ne savez-vous pas, verset 9, est-ce que l'église là? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Il faut rappeler là. La Bible a dit nous, tout le monde qui a fait ça qui est mal. Il n'y a pas qu'à hériter le royaume de Dieu. Et puis, il y a quelques personnes qui vont hériter le royaume de Dieu. Premier bagage, il dit, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, qui sont encore, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Et puis quand le fin dit, il y a une liste de monde qui va hériter le royaume, non? Et puis il parle baron l'autre bagaille. Dans verset 11, là, il dit qu'en pile, non, nous c'est dans le temps monde ça va nous tailler. Mais regardez qui ça bon Dieu fait. Premièrement, regardez qui ça dit oui, dans verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été, premièrement, qui ça dit? Lavez, répétez pour moi, lavez. Répétez pour moi, lavez. Deuxième bagage, sanctifiez, répétez sanctifiez. Troisième bagage, justifiez, répétez justifiez. Trois bagages, premièrement, qui ça me dit où c'est là? Deuxièmement, c'est saint. Troisièmement, c'est juste. Ça veut dire quoi ton chita là? C'est trois bagailles bon Dieu fait pour le mettre au chita là. Les laver ou les sanctifier ou les justifier ou. Et en vérité, Paul va le déclarer. Qui garde, que dit on en ton camp à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera? Et puis Paul continue, il va dire, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et puis, monsieur va continuer. Il va faire une synthèse. Il va dire quand j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les dominations, pas dans rien qui casse séparément de l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, regardez, l'église entièrement, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés. Tendez bien, c'est Jésus-Christ qui est auteur de la sanctification. C'est le Saint-Esprit qui est auteur de la sanctification. Et je vais oublier ça dans Apocalypse chapitre 3. Dieu parlait avec l'église de Sade. Lisez l'église de Sade, moi ou qui travaille ou fait. Et puis dit l'église là, moi ou qui passe pour vivant, tandis que les gardes, moi ou sont morts. Prêtez attention. Bon Dieu dit l'église, moi ouais qui travaille, moi ouais activité ou fait. Pas de problème à ça. Mais il aime garder où sont les églises qui mourent. Cependant, ou a montré les gens qui sont vivants. Et puis, on va le comprendre. Pour qui ça, bon Dieu te dit l'église, ils sont les églises qui mourent.
C'est parce qu'il va le dire devant. Il y a pile de monde dans l'église Satan qui sale là. Il te l'a fait déjà. Quand pile de monde l'église de ça qui t'a vivre dans le péché. Et me courage pour me dire ça. Toute l'église qui va avoir une sanctification importance, ils sont l'église qui mourit. Même si il y a un gros fond, il y a un gros dîme, ils sont l'église qui mourit. Depuis que je n'ai pas une sanctification dans l'église, l'église a mouru. Parce que ça qu'on fait l'église a envie, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Bon Dieu dit, ouais, l'église de sable a passé pour vivant. Cependant, ouais, l'église a sont morts. Et puis le bon Dieu finit, dit, il y a un pile monde qui s'allait là. Mais ça m'a l'air bien, oui. Il dit, cependant, les gens ont dans l'église là. C'est vrai que monde qui a grené péché. C'est vrai que monde qui va marcher dans la sainteté. C'est vrai que monde qui va prendre bon Dieu pour rien. Dieu dit cependant, en tant que il y a des monde qui a marché de femme avec vêtements blancs. Il y a pas sale là. Il y a qui mettait tout dans la droiture, dans la sainteté. Et bien courage pour me dire ça. L'église qui a tout le monde qui a fait des ordres. Mais en vérité, pas moi et l'église, parce que il y a des monde qui a fait effort dans mon Dieu. Il y a des gens qui regardent où elles sont non païens. Mais cependant, ils regardent dans l'église. Et ils ont le courage pour me dire ça. En tant que chaque l'église, bon Dieu, un groupe de monde mettent les mains sur eux pour marcher dans la sainteté. En vérité, quand ils ne sont pas pour eux, quand bon Dieu saute avec moi, moi de qui me rate la propre. Quand bon Dieu saute avec madame, de quand on rentre ou pas de sortir, de salle opération rentre, ou de mourir dans la salle. Mais la gloire de Dieu, la droite de l'éternel. Elle manifeste. Il y a un monde qui sont loin à bon Dieu. Qui va dire amen. Ce qui bon Dieu parle avec un monde là. Oui. Pourquoi tu bon Dieu arrive avec vous? Qui va faire bon Dieu? Parce que bon Dieu sorti trop loin. Ensemble avec vous. En vérité, il y a des monde qui chita là. Si votre bon Dieu était dans la ville, on était tout yel déjà. Mais mon Dieu qui aime la ville. Mon Dieu qui aime la ville. Cependant. Malgré les qui s'arrêtent tout péché en tant que mais cependant, moi-même, ça ça veut dire mon exception. Et ça fait même un auteur qui dit les ou comptez moun qui pour Jésus, comptez là-dedans. Est-ce qu'on a levé mon lait? Combien moi dois l'amour sans fin? Combien? Christ pour moi. Amen. Moi qu'on. Amen. Les faits. Aïe, aïe, aïe. Papa. Moi pas. Combien de monde qui reconnaît ça là? Levez-moi. Si vous l'avez grâce à mon Dieu, oui. Moi dis combien moi dois. Hey. L'amour sans fin. Madame. Combien? Amen. Par Christ, ouais. Moi, si moi, quand. Hey. L'if. Amen. Moi, pas. Grâce. Combien? Aïe, aïe, aïe. Moi, si sauveur, moi, non. Hey. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Monsieur va le faire grâce ensemble à lui. Monsieur va le faire grâce. Il y a mon qui va le toucher là. Il y a mon qui va le transformer là. Il a pris mon péché. L'église ça dans quatre coins. Alléluia. Que l'esprit de Dieu rive sous la vie. Alléluia. Madame Gebaray, bon Dieu fait pour vous. Alléluia. Faut sanctifier. Madame Gebaray, bon Dieu fait pour vous. Si vous comparez tête ou à Saint-El. Parce que Saint-El c'est ouais, bon Dieu. Ouais. Mais au même moment, histoire. Vous comptez, bon Dieu, soit avec vous. Et me sentez, bon Dieu, que mon livre est saisi là. Je dis bon Dieu que mon livre est secoué là. Je dis bon Dieu que je n'ai pas osé moi ici. Je dis à la femme remettre le micro. Que mon qui doit voir bon Dieu dans l'autre dimension. Que Dieu qui doit ouvrir. Que mon qui doit transformer. Ah, intelligence doit transformer. Alléluia. Moi je dis attaché à la croix. Oh. Attaché il a pris mon péché. Attaché, attaché. Voilà, nous t'attendons, frère José Pierre qui t'a plagué parole bon Dieu à terre. Deuxième frère Télon. Et monsieur, j'en ai parti là, il a quitté frère Télon dès longtemps. Bien, je vous remercie à chaque monde qui te prend temps, patience, qui t'attendait et garder la vidéo aussi là. Et pas oublier, abonner, commenter, partager. Et puis comme ça, je vais permettre à la chaîne Cause Peuple pour se pour devant. À chaque fois, ou commenter, ou abonner, ou like. Ou bay, cause peuple, plus force, plus courage pour le travail et me garantis nous, cause peuple, apporter bon gens information pour nous. Bien, passez un bon après-midi en basel Jésus-Christ qui vient tout pouvoir. Bye bye tout le monde, ciao pour l'autre vidéo, à la prochaine. En tout cas, frère José, portez parole pour nous. Après frère José, bien partagez ensemble avec nous, en pile monde béni, nom yo. Avec parole serviteur bon Dieu ça. Bye bye tout le monde, ciao pour l'autre vidéo.